Le taux de pénétration d'Internet chez les ménages marocains a atteint 50,4% en 2014. L'annonce a été faite par l'Agence nationale des réglementations des télécommunications. Il s'agit d'une enquête sur les technologies de l'information et de la communication réalisée au premier trimestre 2015. Selon l'enquête, 94,1% des citoyens marocains sont équipés des téléphones portables. Le Maroc a à ce niveau-là un potentiel assez important. Cela veut dire que la population est sensibilisée à l'importance de l'utilisation des nouvelles technologies dans un monde globalisé. Et cela va également augmenter d'année en année parce que le pays est quand même très ouvert sur l'international, sur les nouvelles technologies. Le mode d'accès privilégié à l'Internet est la connexion mobile utilisée par près de 36% des ménages. Par ailleurs, le principal frein évoqué par les ménages non équipés est le coût élevé de l'équipement. Pour des observateurs, l'accent devrait être mis sur des politiques attractives dans le secteur de l'information afin d'inciter les utilisateurs. Ce que le gouvernement peut éventuellement faire, c'est développer une politique de fiscalité avantageuse qui peut permettre notamment de lever un certain nombre de barrières à l'entrée de l'équipement qui concerne les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en particulier Internet, étant donné que le pays ne produit pas forcément un grand nombre d'équipements en la matière. En 2014, le Maroc comptait près de 17,3 millions d'internautes, des chiffres qui représentent 56% de la population marocaine. Dans son rapport, l'Agence nationale des réglementations des télécommunications souligne que 9% des ménages non équipés en accès Internet ont l'intention de le faire durant l'année 2015.